Alors, l'idée du commercial qui est forcément performant parce qu'il est expérimenté, c'est une idée qui n'est pas forcément validée à chaque fois. D'abord parce que la technique de vente, la technique de prospection, de négociation, c'est quelque chose qui se travaille tout au long d'une carrière. Ensuite, parce que le commercial expérimenté peut avoir acquis des petits travers lors de ses précédentes expériences. Il peut avoir besoin de déconstruire certaines habitudes ou alors des habitudes de vente qui ne sont pas forcément appropriées à votre environnement de travail. Alors, une fois arrivé chez vous, ça veut dire qu'il doit se réapproprier un nouveau discours, s'adapter à une nouvelle clientèle, à un nouveau cycle d'achat. Donc, travailler des nouveaux réflexes, les acquérir et forcément avoir plus de travail à fournir. Alors, mes conseils pour bien intégrer votre commercial qui est déjà expérimenté. Premièrement, c'est bien évaluer les compétences techniques de vente, prospection, négociation qu'il peut avoir. Et ça, dès son arrivée, idéalement dès l'entretien de recrutement, en faire une évaluation fine et objective. Et c'est ce qui vous amènera à réaliser mon deuxième point de conseil, c'est de lui construire, en fonction de cette évaluation, un plan d'accompagnement piloté par son manager, de manière à vraiment l'accompagner sur les points sur lesquels il va vous aider à aller chercher la performance que vous attendez et lui atteindre ses objectifs. Et puis la troisième chose, une fois que vous avez réalisé ça, la nécessité, c'est de pouvoir l'entraîner et l'entraîner encore parce qu'un bon commercial, c'est quelqu'un qui, comme un sportif, même quand il est aguerri, continue toujours à s'entraîner pour aller gagner quelques centièmes, le jour du match et faire la différence avec vos concurrents.